à Lille, nous avons décroché un rendez-vous avec un joueur professionnel. Un joueur lambda, ni une star, ni un parfait inconnu, Franck Beria a été champion de France avec son équipe du LOSC en 2011. Comme chaque jour, ce défenseur de 29 ans se prépare pour l'entraînement. Il arrive les mains vides, car ses vêtements l'attendent ici, lavés et repassés. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils oublient un truc, tu vois, pour m'emmerder. Franck est ici comme à la maison, car il fait partie des plus anciens du club. Voilà 5 ans qu'il porte les couleurs du LOSC. Aujourd'hui, il gagne 2 millions d'euros par an et il ne s'en cache pas. J'ai accepté d'en parler parce que moi, pour moi, c'est pas forcément tabou, vu que j'ai pas non plus le train de vie des têtes d'affiche. Donc, mais quand même au-dessus de la moyenne déjà, des joueurs de Ligue 1, ouais, au niveau salaire. Oui, je pense que je me situe dans la bonne moyenne, mais mon leitmotiv, c'est pas l'argent. Mon leitmotiv, il est là et c'est ma passion. Je fais ça depuis tout jeune. J'ai commencé en bas de chez moi, quoi, en bas de ma cité. Plus exactement, à Argenteuil, en banlieue parisienne. Ah, il fait bon, en plus. Élevé par une mère assistante maternelle et un père agent municipal, Franck n'est pas devenu flambeur. Pas d'habits clinquants, pas de voiture trop tape à l'œil. Pourtant, il gagne très bien sa vie. En plus de son salaire, il touche des primes de match, environ 2000 euros à chaque victoire. Et lorsqu'un transfert de joueurs rend flou les caisses de son club, Franck y gagne aussi. Ainsi, l'an dernier, il a gagné 10 000 euros pour la vente de son coéquipier Eden Hazard à Chelsea. Il y a une participation bénéfice qui est forcément versée aux salariés du club, et ça, c'est dans toutes les entreprises. Donc effectivement, sur le plan humain, mais aussi économique, tout le monde a été ravi de ce transfert. Mais pour le joueur lillois, les hauts revenus dans le monde du ballon rond sont tout à fait justifiés. C'est très sélectif et ça ne dure pas toute la vie. Donc ça justifie, ça peut justifier ce côté financier. On est dans le monde du sport, mais aussi du spectacle. Donc tout le monde en profite, y compris le club, y compris tout le système qui est autour. Même l'État français. Le salaire de Franck rapporterait au fisc 1 600 000 euros par an. Les avantages en nature, en revanche, ne rapportent rien à l'État. Salut. Et Franck, sans être une superstar, ne paye jamais ses chaussures de foot. Celle-là avec laquelle je joue, quoi. Comme la quasi-totalité des joueurs de Ligue 1, il a un contrat avec une marque de sport. Voilà. Dans ses magasins, cool. Il prend le nombre de crampons qu'il souhaite, à condition de les porter pendant les matchs. Celles-là sont marrantes, tu vois. Ça, c'est de plus en plus rare maintenant, d'avoir des paires pas flashy, parce que le but, c'est la visibilité pour les marques, donc faire des couleurs très vives. Franck utilise jusqu'à 15 paires par an. Cela représente plus de 3000 euros. Mais la séance shopping continue. Sans regarder les prix, le joueur arpente les rayons, car il peut aussi prendre des habits pour lui, sa femme et ses deux enfants.